Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus d'un setup qu'on voit quand même assez souvent. On va parler aujourd'hui de focus et on va parler de résistance, les deux joints ensemble. Et on va voir le résultat que ça donne live. Je vous explique tout cela à l'instant, mes chers amis. Donc, c'est tiré de ma chaîne live sur YouTube. Donc, voici la petite vidéo. Nous avons un stock CVM qui est là, qui a une résistance autour de 1,18, comme on voit le plus haut de la journée ici, c'était 1,18. Et on lui a retouché une deuxième fois. On a fait redescendre tout ça. Et quand on a eu une tentative de petit crash, et non, ça ne fait pas peur. Et là, on s'en va en direction de la résistance à 1,18. Donc, souvent, on parle de niveau 2. Donc, c'est un petit peu le processus et la façon de voir les choses à travers tout ça. On va le regarder live, mais pour vous mettre dans le bain, il y avait 181 000 actions à vendre ici. Et ça avait descendu un petit peu. Je viens juste d'arriver sur le live. Avant ça, j'ai pas la vidéo. Mais peu importe. J'avais vu cette grosse méga résistance quand elle était arrivée ici. Après ça, je l'ai laissé faire un petit peu et j'ai vu que ça descendait et je l'ai quasiment enlevé de ma, ben, pas enlevé de ma liste, mais je l'ai quasiment pas regardé jusqu'à temps que je revienne et que, oh, il y a eu un crash, pas de crash, on est remonté tout de suite et là, on s'en va directement sur la résistance. Donc, on va tout voir ça live, je vous commence ça à l'instant. Donc, on voit le 142 000 et là, il va avoir un petit peu de travail puisque, évidemment, 142 000, ça ne se mange pas comme ça. Mais quand ça se met à se faire manger, c'est là qu'on est de plus en plus convaincu puisque une ultra grosse quantité comme ça devrait faire, théoriquement, descendre le marché, devrait faire peur au marché. Et si ça ne fait pas peur au marché, et que les gens viennent s'accoter sur le 1,18 et regarder les bids qui n'ont même pas peur, qui viennent s'installer, ça devient de plus en plus évident qu'on va tout faire pour manger cette résistance-là. Oui, on peut se faire prendre, ça peut être le top et tout ça, mais si cette quantité-là se mange, ça veut tout dire, et voilà, vous voyez, quand ça décide de partir, tout le monde était focus et tout le monde a regardé la même résistance. C'est pour ça qu'une grosse quantité comme ça ne devrait pas vous faire peur, surtout quand on voit un beau graphique comme ça ici qui est en train de se dessiner, qui est un beau bull flag. Alors, c'est des choses qui sont à regarder et à ne pas lâcher parce que c'est vraiment des points décisifs pour plusieurs actions. Quand il y a une grosse résistance comme ça qui se casse, faut pas se dire c'est la fin, on vient d'arriver à la résistance. C'est plus le contraire. Ce n'est que le début si jamais on mange cette résistance. Donc, ça a été le cas ici, sur une action qui a plus de float qu'habituellement. Mais peu importe, j'en avais profité un petit peu. J'ai acheté justement dans le 1,18. Je ne sais pas si on l'a vu passer. Vous voyez où on est. CVM. CVM position. Là, je suis en position et je vais flusher plus tard puisque j'étais certain de mon breakout et tout ça. Donc, c'était une petite transaction d'environ 350 $ US, je pense, ou un petit peu plus que ça, peu importe. Mais c'est pour vous montrer, excusez-moi, comment que ça se procède sur le niveau 2. Sans le niveau 2, j'aurais été pas focus plus que ça. Sauf que vu que j'avais ce niveau 2-là, je savais que cette résistance, si jamais elle était mangée, ça allait être bon signe pour ce qui allait arriver un peu plus tard. Donc, ce n'est pas toujours une question de long run et c'est pas parce qu'il y a eu cette grosse quantité-là qu'on va aller jusqu'à 5 $. Mais pour un scalp ou n'importe quoi, ce sont des très 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 bons points où focusser. Et là, par exemple, vous venez d'embarquer 1,18, vous n'achetez 5 000 ou vous n'achetez 7 500 ou un petit peu plus si jamais vous êtes capable. Ben, 2 secondes après, voilà un 150, 200, 300 $ de plus dans vos poches. Vous cliquez out et c'est sorti. Vous avez fait la grosse barre verte
et vous passez à autre chose. Ce ne fut qu'un breakout et il va en avoir plein d'autres. Et sinon, vous pouvez espérer de rester dedans un petit peu plus longtemps et que ça continue à monter, puisque justement, cette résistance était quand même massive. Donc, j'espère que cette petite vidéo live, vous allez avoir apprécié un petit peu de le voir en direct et de comprendre un peu plus c'est quoi qu'il faut focuser. Le focus, là, se fait sur plusieurs temps. On le voit ici, le focus, on le voit ici. Et quand on est vraiment prêt, il faut être encore focus et tout ça. Et regardez, les volumes, il n'y en avait pas. Et tout d'un coup, bizarrement, exactement où j'étais focus, où tout le monde sont embarqués, le gros volume est arrivé là. Et ce n'est peut-être que le début des gros volumes. Et ça va peut-être continuer et continuer. Donc, on ne sait jamais avec ces choses-là. On va l'accélérer un petit peu, vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a eu de l'air. On vient tester le support. Évidemment, c'est toujours pareil. Et on va remonter, remonter. Donc, vous allez voir, ça va monter doucement. Puis c'est une grosse action avec un gros float. Mais quand ça se met à monter, ça se met à monter. Et quand on a des bonnes quantités avec des floats un peu plus gros comme ça, c'est vraiment le fun parce que justement, on est capable de gérer facilement notre risque et avec des plus grosses quantités quand vous avez un plus gros compte un petit peu. Donc, ça peut être intéressant pour vous. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo sur le focus et les grosses résistances. Alors, si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus parce que vous le savez, je suis un YouTuber et un trader. Et nous autres, on adore ça, les pouces bleus. Donc, explosez-moi les beaux pouces bleus. Regardez dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce que je fais, les réseaux sociaux et tout. Et sinon, ben, je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de poursuivre vos formations avec les liens que je vous mettrai ici. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À plus.